tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un unboxing. Alors attention, le téléphone va bouger. Voilà. unboxing aujourd'hui avec une toute nouvelle boutique pour moi. Enfin, on commence à la voir dans les unboxing. Alors c'est la boutique Top Diamond Art. Mon bébé, mets-toi là. Alors, c'est Top Diamond Art. Donc, aujourd'hui, ce sera du diamond painting. Voilà. Alors, d'abord, d'entrée, la boutique vous offre un code promo de moins 10% sur votre commande avec le code DIDIT 10%. Voilà. Je vous le remets ici, de toute façon, et je vous le remets également en barre d'infos. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu spécial pour moi vous filmer, parce que là, je suis en bas, vous voyez. On est le soir, il est quelle heure? Il est 21h30. Donc, je ne suis pas installée comme d'habitude, donc je vais faire au mieux pour vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, il y a un DP. C'est un 40-50 avec des perles rondes. Voilà. Ça va être facile. Allez, alors je vous montre d'abord comment je l'ai reçu. Alors, je vais vous montrer ce côté-là, parce que là, à côté, il y a mon adresse. Voilà, j'ai reçu dans une enveloppe bulle. Et alors, c'est très très bien emballé. Hop, je vais tout vider. Le DP en lui-même est encore emballé dans un sachet et il y a une mousse à l'intérieur et fermé avec des élastiques. Donc c'est vraiment très bien. On a les perles, je vais vous les montrer en détail hein, comme je fais d'habitude. Donc en sachet chapelet et un toolkit. Alors là, c'est la toute première fois que j'ai comme ça. Alors je vais l'ouvrir pour vous le détailler. Enfin, c'est surtout un article qu'on n'a pas d'habitude. Voilà. Alors on a d'abord des petits sachets zippés comme ça pour vous remettre les perles qui vous resteraient. Et il y en a pas mal, hein. Il y en a une petite dizaine. Dans le sachet, on a le stylet, voilà, avec un multiplaceur de 3 ou 4, ouais, et bien sûr pour mettre un. On a la petite mousse pour mettre, alors hop, sur votre stylet. Donc si vous savez pas à quoi ça sert, c'est pour que vous ayez moins mal aux doigts, voilà. Donc, la petite mousse, le petit carré de glue, le petit plateau vert. Bon, jusque-là, rien de spécial. La petite pince. Bon, celle-là, c'est pas la meilleure, hein, mais bon. Et une petite spatule. Qui va vous servir à remettre droit vos perles. Vous les passez comme ça dans chaque rangée entre deux perles, voilà, dans ce sens là et après vous faites dans ce sens là pour que toutes vos perles soient bien droites. Voilà, je vous montrerai, ben moi j'en ai un plus grand, mais bon, je vous montrerai aussi avec celui là si vous le souhaitez comment on s'en sert. Voilà, et ça peut vous servir aussi pour lisser. Si vous remettez un nouveau papier sur votre DP, donc vous pouvez lisser aussi avec. Voilà, donc on a ça en plus. Voilà. Alors, bah, je vais vous montrer le DP d'abord. Exceptionnellement, je vais commencer par le DP. Alors, les petits élastiques.
Alors, on a une feuille de route. Voilà. Et vous voyez, ça a été vérifié avant de partir. Ils ont tout couché. Alors, je vais le plier, ce sera mieux. Alors, voilà comment ça, c'est là, les numéros des sachets de perles, les symboles que vous allez retrouver. Donc, on a des chiffres, on a des petits symboles, on a des lettres majuscules. Voilà. Et en tout, on a 24 couleurs. Ici, c'est la référence DMC. Là où ils ont coché, c'est le nombre de sachets. Et ici, c'est le nombre de perles que vous avez besoin pour faire votre DP. Donc, en tout, il y a 25 276 perles à poser. Et donc, vous voyez, il y avait un petit tube de mousse comme ça. Attends, je vais d'abord. Je le réenroule dans l'autre sens pour qu'il soit un peu plus droit. Et voilà. Et voilà le dessin. Un petit modèle un peu paysage hollandais avec les moulins à vent. Ici en bas, on a les tulipes, enfin les fleurs, les petits canaux avec un petit bateau. Voilà, la petite maison du moulin. Vraiment très très beau. Alors, niveau qualité d'impression. Alors, ouais, je vais vous montrer la qualité d'impression avant. Oh, j'ai eu peur, je disais, moi j'allais prendre des plastiques. Mais si, si. C'est pas pratique hein, comme ça. Mais bon. Voilà, côté impression. Bon, là je vous ai mis de côté, hein, mais. C'est nickel. Et côté colle, ça colle très très bien. Voilà. Donc sur le kit, vous allez retrouver en haut à gauche et en bas à droite les références avec les symboles. Là, donc sinon il n'y a rien d'autre. Là, c'est 40-50. Alors, je regarde si c'est de la. Ouais, c'est de la colle coulée. Je pensais que c'était du double face, mais non, c'est de la colle qui est coulée. Donc, ça va très très bien. Il n'y a pas de rivière. Je connais bien mon plastique. Ah ben. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Ma petite spatule. Comme ça, vous allez voir. Alors, j'enlève mon plastique et avec ma petite spatule, je peux aussi, voyez, lisser. Et bon, je ne suis pas bien installée, hein, pas du tout. Voilà. Et du coup, vous pouvez lisser votre papier avec votre petite spatule en même temps. Voilà. Je me remonte. Coucou. Donc voilà, pour le kit, on va regarder les perles. Pour ça, je vais vous avancer un petit peu. Désolée, vous allez bouger. Et
Désolée pour le bruit. Il y a de belles couleurs. Hop, je perds les perles. Allez, je vous montre ça. Alors, j'espère que ça ne va pas trop flouter. Là, j'en ai plusieurs. Faites pas attention à mon pull. Hein. C'est celui que j'ai tricoté l'année dernière, mais alors il bouloche. C'est une horreur. Hop. Alors ça, c'est un marron foncé. Donc oui, il y en a plusieurs. Bon, les couleurs sont un peu plus foncées. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à... Non. Voilà. Un verre d'eau. Bordeaux. Gris. Un rouge un peu plus foncé. Un rose pâle, un peu plus rose que ce que vous voyez. Désolée, c'est ma lumière de la salle à manger qui ne donne pas bien. C'est pas le vrai blanc. Hein. Ah, celui-là, on l'a déjà vu. Ah, bah, il y en a encore là. Voilà, ceux-là, vous les avez vus. Et le dernier, un petit kaki. Voilà, allez, je vous recule. C'est vraiment pas pratique du tout. Et ça colle sur mon gilet. Donc voilà pour aujourd'hui. Le DP, alors c'est un 40-50 en perle ronde. Il est au prix de 34,80 €. Bon, la qualité est là du DP. Les niveaux perles, bon, bah, ce sont des petits sachets. Vous avez votre feuille de route, donc je ne vous l'ai pas montré en entier, mais voilà la feuille de route, parce que tout à l'heure je vous cachais le dessin. Et ici en bas, vous avez quelques explications pour vous dire comment on doit faire le DP. Voilà. Mais écoutez, oh là là, c'est une catastrophe. Unboxing catastrophe. Je remercie beaucoup la boutique Top Diamond Art. Voilà, je les remercie de leur confiance, d'avoir choisi ma chaîne, entre autres, puisque je ne suis pas la seule. J'étais contente de présenter un article de chez eux. Bon, on verra si par la suite j'en présente encore. Hein. Ça, ce sera suivant leur bon vouloir. On verra. Moi je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de l'article que je vous ai présenté et également donc le code promo qui vous permet d'avoir 10% sur votre commande. Mais écoutez, malgré ces péripéties pas facile à dire, je n'ai pas filmé comme d'habitude. Mais je suis en train de tout ranger aussi en haut à cause des travaux. Donc, c'est un peu... Je range, mais du coup, c'est en vrac. Bon. Mais ça va aller. Je vais vous faire des
Gros bisous et puis nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.